Nous sommes fiers de retrouver notre terre natale après tant d'exil. Nous sommes à Tui, Baba. Et comme Pangwa, les grottes sont là. Et on a tout pris, c'est peut-être les grottes là qui nous restent pour le moment. C'est une pause. Après une longue marche au retour des îles. Oh, Pepon de Mou,
La pause, c'était pour, évidemment, pour reprendre des forces, pour prendre de l'énergie et puis pour se ravitailler en vif. C'était le but de la pause. Et puis, on a identifié les endroits exacts là où nos AE s'étaient reposés. C'est à ces endroits exactement qu'on a essayé de faire des pauses. Le rôle de la constatation, c'était pour savoir si on allait trouver un territoire libéré, si on allait trouver un territoire sans problème. Donc à chaque fois, il fallait toujours consulter les oracles pour s'assurer avant d'avancer. Les chefs sont des êtres un peu supérieurs, ce ne sont pas des êtres comme tout le monde. Donc en réalité, pour inhumer un chef, et puis le rite, c'est par rapport au fait que le peuple s'est senti obligé d'amener la dépouille du chef sur le marché, parce qu'on venait de l'exil. Généralement, les dépouilles des rois ne sont pas souvent exposées publiquement. Donc, le rôle et le but de cette purification qu'on veut faire là. Nous avons pensé qu'il était bon que le peuple Baba se rassemble autour de son génie et de sa richesse culturelle pour célébrer ce génie-là et susciter l'envie de transmettre ce génie-là aux jeunes, susciter aussi la valorisation, la préservation et la promotion de cette culture. La principale articulation était la marche de retour d'exil aujourd'hui, parce que le festival Pangwa est en quelque sorte le souvenir de cette période assez difficile du peuple Baba qui a été exilé et qui est revenu après plusieurs années de souffrance vers sa terre d'origine. Donc le festival est pour nous l'occasion de se remémorer ces moments difficiles et surtout de tirer les leçons de cette adversité pour construire un Baba prospère, un Baba authentique. Je crois que c'est apprécié, il faut apprécier à sa juste valeur cette grande mobilisation. Je crois que c'est une première dans ce village, cette mobilisation. Tout le monde y a mis du sien, des plus grands aux plus petits. Et je suis sincèrement heureux de cette mobilisation. Et j'espère que nous allons continuer de resserrer les rangs pour que cet essai du festival soit consolidé et que dans
dans les années à venir, cette mobilisation, cette cohésion puisse perdurer pour la prospérité du village. Majesté, vous avez insisté sur la promotion des valeurs culturelles du peuple Bapa. En quoi ces valeurs culturelles peuvent promouvoir le développement de votre communauté? Bon, déjà, ces valeurs culturelles nous permettent de nous respecter nous-mêmes. On ne va pas continuer à se voir sur le prisme du regard des autres. Il faut assumer ce qu'on a sans complexe. Et je crois qu'un homme qui est complètement ancré dans sa culture est un homme accompli, est un homme qui s'assume. Et un homme qui s'assume peut jeter des bases d'un développement durable. Et je pense qu'imprégné dans notre culture, le peuple Bapa, le peuple camerounais, le peuple africain peut sortir de cette crise à perpétuité et se développer durablement. J'ai le regard de quelqu'un qui a commencé à accomplir son devoir. Je voudrais juste souhaiter que le peuple soit toujours derrière moi pour que je continue d'accomplir ce devoir-là. Je suis leur serviteur, je suis à leur service. Et je voudrais les remercier, tous ceux qui m'ont soutenu ces 25 premières années, pour nous permettre de réaliser ce que nous avons déjà fait pour le village. Et mon objectif, c'est de continuer à servir le peuple pour que ce peuple puisse être fier, pour que ce peuple puisse grandir dans la quiétude, dans la sérénité, mais surtout garder son... Oh,